Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes le premier candidat de ce Grand Prix, de ce 15e Grand Prix de la chanson amateur de la ville de Cannes. Et vous allez nous interpréter... Ignace de Fernandel. Alors Ignace de Fernandel, c'est un air connu. Messieurs les jurés, à vos papiers, Monsieur Astou concourt dans la catégorie 1, c'est-à-dire variété. Non, excusez-moi, dans la catégorie 3. Oui, dans la catégorie 3, je confondais le numéro de passage et le numéro de... Oui, oui, c'est le Guilux régional et il ne vaut pas mieux que celui de Paris. Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand va le docteur, j'appelle avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout aimé. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace. M'appelait sans prétention, machin chausson, bien qu'attention. On n'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me prête une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, d'un enfant de l'amour, je veux qu'il s'appelle à son tour. Du nom délicat et de son papa, c'est bien mieux que Jules ou Thomas. Si c'est un garçon et qu'il passe des passants, je lui dirai écoute mon mignon. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. De l'artiste et procéder à sa notation immédiate. Monsieur Astou Marc.